mois-ci, nous allons parler de le pilotage roulé debout et tous ces cas de figure qui vont avec. Donc, nous allons commencer par la position de rouler debout en balade pour commencer, pour ne pas se fatiguer à rouler assis. Et après, nous allons voir en roulant en spécial debout. Donc nous allons voir les quatre figures de piloter debout. Pourquoi piloter debout et où se mettre debout? Parce que c'est sûr qu'il ne faut pas rouler debout tout le temps. Il y a certains moments où il faut se mettre debout et certains moments assis. Donc en balade, il faut pour s'économiser, parce que si on reste assis, ben, on a le cul sur la selle et on risque de. On absorbe tous les chocs. Si on est debout, on a déjà un meilleur contrôle de la moto. Parce qu'avec les pieds, on arrive à travailler droite-gauche et à piloter un peu sa moto. On a plus de traction et on subit moins le terrain, les trous, les rochers, les cailloux. Après, en spécial, on se met debout pratiquement le plus tôt possible en sortie de virage pour pouvoir avoir les deux pieds sur les cale-pieds et vraiment toute la traction sur les cale-pieds. Au freinage, dans les entrées, pour pas subir les trous, pour être debout et travailler avec l'équilibre de la moto. Et puis le dernier point, je pense, c'est quand on est debout, on a plus le contrôle de la moto et on arrive plus à balancer la moto d'un virage à l'autre. Donc c'est assez important d'être debout pour l'entrée des virages. Donc la position pour rouler debout, il faut être, on va dire, le cale-pied au niveau du milieu du pied et se piloter en avant. Donc quand on va accélérer pour ne pas tirer sur ses bras, et il faut que le réflexe, en accélérant, vous balanciez légèrement en avant, ni trop, parce que si vous êtes comme ça, le jour où vous allez prendre un caillou, ça va vous secouer. Donc il faut être juste ici à peu près, là, et accélérer. Donc votre effet, ça sera que quand vous accélérez, hop, vous balancez légèrement. Au moins, la force se fait dans cet axe-là, et vous n'avez pas de poids, vous avez juste vous accélérez. Donc ça, c'est la position en balade. En spécial, il faut tenir sa moto déjà avec les jambes énormément, parce que quand on pilote debout, ça se pilote avec les jambes. On va être un peu plus fléchi sur nos appuis pour qu'on puisse amortir un peu plus avec nos jambes et toujours la tête devant le guidon. Donc voilà, on va voir ça en action. You.